boulette d'hydrocarbures. Celle-là, elle est grosse. Des morceaux d'hydrocarbures de 20 cm, d'autres plus petits, de 3 à 6 cm. C'est la mauvaise surprise du week-end sur le littoral catalan. Principalement touché les plages de Sainte-Marie, Saint-Cyprien et Canet. Alerté par des promeneurs, la mairie canétoise a aussitôt pris des mesures. On a fait toutes les procédures nécessaires, procédures de, je dirais de protection administrative en interdisant l'accès de la plage par arrêté municipal, procédure judiciaire avec constatation de la gendarmerie nautique de façon à avoir une procédure bien établie, prélèvement des tablettes qui sont parties en analyse à un laboratoire spécialisé auprès de la préfecture maritime de Toulon. Une opération nettoyage a été mise en place sur les 9 km de plage que compte la commune, avec notamment cette ratisseuse qui tamise le sable et permet de récupérer les boulettes d'hydrocarbures. Le nettoyage devrait durer toute la semaine. La mairie de Canet estime le coût à 100 000 euros, mais espère pouvoir se retourner contre les responsables du sinistre. Cette pollution proviendrait du choc entre deux cargos au large de la Corse en octobre dernier.